Consécutivement à notre communication du 19 juillet 2023, qui dénonçait les incursions annoncées de l'armée rwandaise sur les territoires congolais, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les forces de défense du Rwanda, déterminées à entretenir l'insécurité au Nord Kivu, ont franchi ce jeudi 27 juillet 2023 à 9h la frontière congolaise entre les bornes 13 et 17 pour acheminer leurs renforts et continuer à déstabiliser et à violer intentionnellement l'intégrité territoriale de notre pays. À leur entrée, les militaires de l'armée rwandaise se sont arrogés le droit de chasser les paisibles populations congolaises de leurs propres terres. Dans leur intervention, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, chargés de la sécurité des frontières dépêchées sur le lieu, ont été attaqués par l'armée rwandaise. Les affrontements qui s'en sont suivis ont permis au FRDC de repousser les terroristes rwandais, auteurs de cette provocation intolérable, qui se sont repliés dans leur pays. Prenant à témoin, une fois de plus, la communauté nationale et internationale, les forces armées de la République démocratique du Congo vont désormais répondre vigoureusement au coup par coup et exercer le droit de poursuite. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité. Nous sommes le vendredi 28 juillet 2023. Espoir Mounoka, bonjour. Bonjour à messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Vous allez bien? Oui, ça va malgré les provocations rwandaises, mais quand même ça va. Non, vous êtes tous au courant comment est-ce que ces sanguinaires troubadours, ils ont essayé hier de franchir une ligne rouge. Heureusement pour nous, malheureusement pour eux, ils sont heurtés au baptême de feu, notamment nos vaillants FARDC. Ils ont répondu farouchement et dans l'urgence, dont un des criminels rwandais a été envoyé chez Dieu. On revient sur cette affaire. Un militaire rwandais qui a violé les sols congolais tués par les FRDC à Nyiragongo. C'était hier jeudi lorsqu'un militaire du FA a été tué dans un échange de tirs entre les FRDC et l'armée rwandaise dans les villages de Rutagara, un groupement de Bouvira en territoire de Nyiragongo au nord Kivu, proche de Goma. Exact. Selon la société civile locale, les tirs ont éclaté lorsque les militaires rwandais ont tenté de faire traverser frauduleusement des trafiquants appelés Chora Chora au Congo entre les bornes de marcation 13 et 14 situées entre la RDC et le Rwanda. Selon la même source de la société civile, les militaires rwandais ont traversé sur les territoires congolais pour récupérer les corps de ces soldats qui forçaient la traversée de ces trafiquants. Je cite, « Nous avons été alertés hier jeudi » et qu'il y a un militaire tué pendant qu'il forçait d'aider un Chora Chora à traverser. Il est même allé jusqu'à violer les territoires congolais et à ce moment que les militaires congolais lui ont tiré dessus. Nous a dit Placide Nzilamba, un membre de la société civile au Nord Kivu. Au fait, quand même, je félicite la population pour ce courage qu'ils ont pris dans l'urgence pour alerter l'autorité compétente. Et c'est hier soir, dans la nuit, que nous avions vu les communiqués de nos FRDC. Moi, je crois il y a à peine 6 mois, il y a 4 mois, 5 mois comme ça, nous étions à la borne 13. Quand on alertait l'autorité, comment est-ce que ces terroristes rwandais utilisent maintenant la borne 13 comme leur frontière, où ils font passer leur business, où ils font passer les choses
qu'ils utilisent pour ravitailler leurs compatriotes rwandais RDF 23 qui sont à Kibumba. Et quand l'autorité ne comprenait pas, je crois que nous étions au nombre de beaucoup de jeunes, nous étions déterminés à descendre la borne 13 et on avait vu ce parapluie, l'autorité avait pris des mesures. Et nous, on ne pensait pas que ces terroristes rwandais pouvaient encore penser qu'il fallait franchir cette ligne pour arriver en RDC. Mais quand même, ça doit interpeller la population en général et les autorités de comprendre que ces voyous ne dorment même pas. Ils sont déterminés et ils pensent que comme nous, la République démocratique du Congo, nos FARDC respectent les cessez-le-feu, l'air imposé par la communauté internationale et l'EAC, qui vont profiter pendant cette période. Non, attention, les choses ont changé. Si ils osent fouler le sol congolais, ils vont toujours certer à une détermination militaire et populaire. Et voilà le premier fruit de ce que les FARDC disaient. Puisque quand les FARDC alertaient que non, les Rwanda préparent ça, beaucoup de gens étaient dubitatifs à ça. Mais hier, ils ont vu quand même. Et attention, nous ne savons si réellement étaient des civils tchora-tchora ou bien ce n'était pas leur personne, puisque les tchora-tchora, normalement, la borne 13 a été fermée, ça fait longtemps. Nous ne savons pas comment est-ce que les tchora-tchora peuvent vouloir passer de l'autre côté que venir faire leur histoire ici, à la petite barrière où tous les tchora-tchora font leur travail. Mais quand les gens traversent cela, ils les font d'une manière frauduleuse? Non, c'est frauduleuse, c'est en cascade. Ce sont les Rwandais, les Congolais? Non, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Ils ne peuvent plus passer ici. Ils ont créé d'autres chemins de l'autre côté, puisque à l'époque, ils avaient des militaires qui les facilitaient. Mais ces militaires, je crois qu'ils ont été mités et on a changé l'unité qui était à la borne 13. Et lorsqu'on a changé l'unité, ils ont du mal actuellement à faire passer leurs histoires à la borne 13 et à la borne 17. Et aujourd'hui, comme ils ont du mal, ils cherchent maintenant à créer. Ce n'était pas seulement pour faciliter leur business et commerce, c'était aussi les chemins qu'ils prenaient pour intégrer la ville de Goma d'une manière frauduleuse. Puisqu'ils ne pouvaient passer, ils ne pouvaient non plus passer ici au cimetière des litiges où ils passaient à l'époque. Ils ne pouvaient non plus réussir à passer à la petite barrière ou bien à la grande barrière. Maintenant, ils prenaient la borne 13 comme leur chemin qu'ils utilisaient. Puisque quand vous êtes au niveau de la borne 13, vous êtes d'office dans le groupement de Bouvira. Et lorsque vous êtes à Bouvira, vous êtes à quelques mètres du bureau du Moam ici à Kissi. Et d'office, vous allez descendre dans la ville comme vous voulez. Et vous pouvez vous camoufler à Bujovu, vous pouvez vous camoufler à Majengo, vous pouvez vous camoufler à Kato. C'est que vous avez les champs libres de circuler. Et quand on a changé l'unité, ces gens, ils n'ont plus les chemins. Et si vous regardez très bien, c'est là le Birayi à Manguo, qu'on réfléchissait, qu'on pensait plutôt que ce sont les personnes de Munigi, ce sont les personnes de Kibumba. Mais vous avez vu, depuis qu'on a changé l'unité, ces gens ont diminué dans la ville de Goma. Et ces gens n'étaient que des services des agents des services de renseignement rwandais. Ils ont du mal. Ils ont du mal aujourd'hui à traverser pour envahir la ville de Goma. Mais on est voisins. Les commerces transfrontaliers, c'est tout à fait normal. Des pays qui sont frontaliers. Exactement, on ne refuse pas. Mais il y a les endroits bien ciblés où ils peuvent faire leur commerce. Mais c'est ici, à la petite barrière. Nous voyons des pauvres mamans rwandaises et nos pauvres mamans ici, à la petite barrière. Mais la borne 13 a été fermée il y a un bon moment. C'est pour éviter toute infiltration sur le sol congolais. Et vous allez vouloir maintenant faire le forcing pour qu'on laisse vos personnes entrer sur le sol congolais. Et nous disons, puisque nous savons qu'il y a des Rwandais qui nous suivent, les Rwandais qui ne partagent pas cette philosophie d'agression de la RDC, qui sont du bon côté de l'histoire, ils doivent normalement interdire leurs compatriotes de tomber dans les pièges de l'armée rwandaise. Nous savons que c'est difficile, oui, mais vous pouvez faire quelque chose. Et la chose que vous devez faire, c'est de sensibiliser vos compatriotes. Et il faut dire même aux jeunes militaires rwandais, là où vous allez, vous risquez de devenir l'engrais pour les sols congolais. Et
pour éviter ça, ne tombez pas. Désobéissez au commandement de vos commandants qui sont payés pour vous sacrifier, qui sont payés pour que vous puissiez venir mourir ici inutilement. Et dire aussi à vos jeunes mamans, à vos jeunes filles, évitez d'être utilisés par le régime de Kigali, puisque aujourd'hui la population congolaise n'est plus comme la population de 2016, comme la population de 2013, de 2004, de 2009 et de 97-98. C'est une autre population avec une autre philosophie. Nous n'avons pas de conflit avec les Rwandais. Venez faire vos commerces, mais d'une manière légale. D'une manière légale. Si vous venez dans l'illégalité, vous allez vous heurter à la population, à l'armée et à la police. Il y a la petite barrière ici, il y a la grande barrière ici. Point barre. Si vous osez autre chemin, c'est que nous allons vous considérer comme terroriste rwandais RDF qui se déguise. Est-ce qu'au Rwanda, il n'y a pas les Congolais qui font la même chose? Non, non. Qu'est-ce que vous allez vendre au Rwanda? Qu'est-ce que vous allez vendre au Rwanda? Pour qui acheter? Aujourd'hui, le Rwanda n'a plus de ressources. Ce qui leur reste comme ressource, c'est cette agression dont la RDC est victime. Et le véhicule que vous voyez fait le trafic de sable, point barre. Il n'y a plus autre ressource. Et si vous partez au Rwanda pour vendre, mais qu'est-ce que vous allez vendre? Pour qui acheter? Ils n'ont rien. Il y a des travailleurs qui viennent de faire au moins 6 mois, 7 mois impayés. Et puis qui va acheter ce que vous allez vendre? Moi, ce que je regrette, c'est quand je vois ces mamans vendeuses qui acceptent d'être manipulées par les services rwandais. C'est ce qui me fait mal. Et c'est un danger pour la région des Grands Lacs en général. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas quoi acheter au Rwanda, mais ici à Goma, la plupart de ce que la population mange, la plupart de ces aliments viennent du Rwanda. Non, c'est faux, archi faux. Tu vois comme aujourd'hui, Masisi, Rutshuru, tout est bloqué. Ouais, Masisi, c'est bloqué, Rutshuru, c'est bloqué. Mais attention, c'est pas tout Masisi qui est bloqué, c'est pas tout Rutshuru qui est bloqué. Ça, les gens doivent le savoir. Il y a beaucoup de chemins pour arriver à Masisi, beaucoup de chemins pour arriver à Rutshuru et revenir avec les vivres. C'est puisque beaucoup de gens ne maîtrisent pas aussi la province Nord Kivu. Mais si vous partez ici, à Mutaho, dans le Nyiragongo, mais là, il y a beaucoup de cultivateurs qui produisent les pommes de terre à gogo. Et à part ceux qui... La tomate que nous mangeons aujourd'hui, moi, ce que je mange, c'est produit ici à Nyakagina. C'est où? C'est aussi dans le Nyiragongo. À la limite avec notre parc de Virunga. C'est puisque beaucoup de gens ne maîtrisent pas aussi les chemins, les trous des rats. Et c'est pourquoi j'appelle toujours la jeunesse, marchez. Découvrez votre province, découvrez votre ville. Moi, je n'ai jamais mangé les produits rwandais. Oh. Ça, vous ne me verrez jamais. Ah, toi, tu ne prends pas des ignangues là. Vous vous rappelez très bien, à part nos services ici. Mais nous, on s'était déjà opposés à l'entrée de produits rwandais, notamment les Inyangé. Il y a même, on a été même alerté sur la vente du ciment rwandais ici sur les sols congolais et qui, et l'usine là qui produit ce ciment serait pour la famille de M. Kagame. Mais vous allez voir qui sont ces gens qui amènent ça chez nous. Ce sont les Congolais de la dernière pluie. Et aussi, comme ils ont leurs personnes dans les services, lorsque vous vous opposez, ils sont derrière vous pour vous traquer. Mais attendez, il y a un bon moment où la population va se prendre en charge. C'est pourquoi nous disons à nos mamans, apprenez à entretenir même un petit jardin chez vous. Là, vous pouvez cultiver les légumes, quelques tomates, quelques piments. Bientôt, là, nous allons passer à la formation populaire, puisque ce que mangent certains de nos compatriotes, c'est cette tomate produite au Rwanda, ces légumes produits au Rwanda, c'est les épices, quelques épices produites au Rwanda. Mais à part la guerre, c'est pourquoi je vous dis que cette guerre reste l'unique business de M. Kagame. À part la guerre. Mais ici, on produisait déjà les oignons à masse, ici à Kibumba. On produisait déjà les épices ici, à Masisi.
Malheureusement, quand ces gens sont venus, ils ont d'abord commencé à dévaliser nos terres, même nos champs, jusqu'au point où ils sont partis voler même les maïs. Chaque chose a son temps. Oui, donc si jamais toi, quelqu'un t'est invité au Rwanda, tu ne peux pas y aller. Pour faire quoi? C'est un pays voisin, nous n'avons pas un problème. Je vous dis, ce qui est sûr, vous savez, lorsqu'il faut dire vrai, je l'ai dit, lorsqu'il faut dire non, je l'ai dit. Nous n'avons pas de problème, je le répète 10 jours au jour. Mais lorsqu'on ferme la frontière, on ferme ça pour des moutons, pour des vaches, c'est pour des personnes. Et même si moi, on m'invite aujourd'hui, monsieur Espoir, venez au Rwanda, il y a ça et ça et ça et ça, vous ne me verrez jamais tant que Kagame et ses acolytes sont au pouvoir. Espoir. S'ils partaient demain, je vais descendre au Rwanda, à l'aéroport, s'ils ont même l'aéroport international, je ne sais pas. Oh, ils ont un grand aéroport. Bon, vous savez. Ah, c'est l'aéroport de Goma. Vous savez, le Rwanda. C'est le meilleur aéroport de la région. Le Rwanda était un pays ami à l'époque d'Habyarimana. Et je crois que cet aéroport doit exister, puisque Kamobutu travaillait pour le Congo, travaillait aussi pour la région des Grands Lacs. Notamment le Rwanda. Non, Kagame n'a rien construit. Il a tout raconté. Cher ami, faut arriver à les Américains peuvent avoir modernisé. Puisque Kagame, c'est quelqu'un de l'air pacotille. Il faut arriver au Rwanda. Là, c'est calme. Je vous le dis, j'arriverai au Rwanda. Le pays le plus propre. J'arriverai au Rwanda lorsque les sanguineurs quitteront le pouvoir. J'assume. Vous savez, nous avions déjà perdu plus de 12 millions de nos compatriotes. Et puis quelqu'un va refuser qu'on les traite de sanguineurs. Pour quelle justice qu'il a déjà démontré? Justice. Ouais. Vous voulez la justice? Qui oublie que l'autre ici, Bosco Ntaganda, était son garçon? Qui oublie que Makenga, c'est son garçon? C'est un général congolais. C'est qui oublie que l'autre ici, Laurent Koundabatoire, c'est son garçon? Qui oublie que Mangachouchou, c'est son financier? L'autre ici, qu'on a volé ici, qui était aussi l'ami de Mangachouchou, l'homme du supermatch ici, j'oublie même son nom, je ne veux même pas me rappeler, mais je veux me rappeler. Il a fait quoi? Qui oublie que c'est son garçon aussi? C'est son premier financier d'ailleurs. Et puis ils viennent ici, nous sommes Congo. Bon. On finit par cette affaire. Selon les communiqués, en tout cas, de l'armée rendue publique, parce que vous aviez suivi, les FARDC qui ont lancé un communiqué. En tout cas, on va y revenir parce que l'armée congolaise parle que. Elle dit qu'une incursion de l'armée rwandaise a été repoussée par les FARDC au nord Kivu. Et puis je vais juste revenir sur cette chute où on dit, prenant en témoin une fois de plus l'opinion nationale et internationale, les forces armées de la RDC vont désormais répondre vigoureusement au coup par coup et exercer le droit de poursuite. Ouais. Un communiqué signé par le général Ekeng. Ouais. C'est que, vous savez, moi je le disais toujours, les gens n'ont pas pu comprendre que veut dire les textes écrits par le général Sylvain Ekenge, qui est parmi les grands communicateurs de l'FARDC et d'ailleurs de la République que nous saluons, et c'est un papa courageux. Puisque j'ai échangé avec lui maintes fois. Vraiment, c'est un vaillant combattant. Il faut comprendre. Ce n'est plus à l'époque où on nous giflait les joues gauches, on fait tourner les joues droits, giflait. Et puis, comme vous êtes notre voisin, on va vous dorloter. Vous allez attaquer ici, vous allez fuir au Rwanda, on va vous laisser. Non, ce n'est plus ça. Vous giflez, on gifle. Oh, mais c'est la Bible ne dit pas ça. Non, vous savez, la Bible, mais qui est sage que Jésus-Christ? Mais lorsque Jésus s'était rendu à l'église, dans la maison de son père, le père créateur, il s'est rendu compte que la maison était transformée en marché. Qu'avait fait Jésus? Il avait dit, non, comme vous êtes des humains, vendez vos produits? Non.
Jésus était obligé de prendre des mesures pour pousser Osimhen de réfléchir sur la maison de Dieu, qu'on ne peut plus salir la maison de Dieu. La maison de Dieu a été salie maintes fois, et maintenant vous devez évacuer la maison de Dieu. On laisse les chrétiens se mouvoir dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est la RDC. La RDC a été attaquée maintes fois. Certaines autorités ont soutenu des agresseurs qui attaquent la RDC maintes fois. Mais aujourd'hui, si vous osez encore de salir la maison de Dieu, Jésus va mettre en dehors vos produits, va mettre en dehors vos business. Jésus, je ne vais pas comparer Jésus aux humains, mais si on peut essayer de comparer, oui. C'est cette population, oh. C'est notre armée, ah. C'est nos autorités. Le président Tshisekedi. Et les gens. Le commandant suprême, hein? Bon, oui. En fait, les gens doivent comprendre. Hier, donc, j'ai. C'est lui le Jésus. Hier. Et puis, les disciples, c'est vous, population. Vous savez, Jésus, comme ça se dit, c'est le Bouddha tout Takatifu. Et le Bouddha tout Takatifu, comment on appelle ça? La Trinité. C'est ça, Dieu, c'est la Trinité. Et la Trinité, c'est cette population, c'est cette armée, c'est nos autorités. Et les trois, comme. Accepte de conjuguer ensemble, je vous dis, il est grand temps. Vous attaquez, pardon, vous attaquez la RDC, vous essayez de traverser la frontière pour se cacher, on va vous suivre. D'accord. Je crois, on finit par ce propos. Suivez un peu ça. Je fais le tour des pays des Grands Lacs, mais une fois au Rwanda, je vous dis, même l'air ne m'était pas favorable. Et quand je suis parti ailleurs, je me sentais dans mon bain. Ça veut dire que Kagame a déjà pollué même le Rwandais. Karega, c'est un aventurier. Ce sont des fils de Kagame. Ils sont fabriqués dans son laboratoire. Et quand ils sont désapprouvés, même nous, on l'a désapprouvé. Déjà, la Belgique dubitative. Ça veut dire déjà que Kagame doit comprendre que ce qu'il fait, c'est quand même très, très, très mauvais. Ça vous dit quoi? Non, il n'a fait que dire la vérité. Non. Est-ce que... Il n'a fait que dire la vérité. Même les oiseaux commencent à fuir le Rwanda. Oui, mon cas. Toi, tu sais devenir comme vous dis, en dépit de la guerre, dont nous sommes victimes, les arbres abattis par l'armée ougandaise, l'RDF, puisque ce sont les M23, mais les oiseaux ne se réfugient qu'ici. Là, il n'y a plus l'air à respirer. Et ça, c'est clair. Fait de cet entretien. Et ça, c'est clair. Moi, je crois que les Congolais, nous devons apprendre à assumer nos propos. Mais ces oiseaux, vous les avez vus où? Vous ne voyez pas aujourd'hui comment est-ce que la ville est mouvementée par les oiseaux. Beaucoup de races, dont même les scientifiques, n'ont pas pu à mesure de prouver. Mais nous les voyons aujourd'hui. Nous les voyons aujourd'hui. C'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Je préfère qu'on mette fin à cet entretien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. On se fixe rendez-vous demain. Bye bye.